Messieurs, dames, et la famille, la société, toutes amis, frères, accès, compatriotes, mayo, et tous collaborateurs, et qui suivent nous tout partout dans le monde, là. Bonjour, et bonsoir pour nous toutes. Et n'amis, quoi, faites la caille, c'est toujours serviteur, aux amis, au merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes, gagnons pour l'autre, toute équipe là, à la ronde, baden, nous comptons rencontrer. Jeudi, c'est lundi 15 avril, toute équipe là, eh bien, nous pourrons faire une transmission journal et méga matin, méga, c'est Pigo Réseau Radio Haïtien qui est sous la terre bénie avec staff nouvelle là. Information yo sous pays d'Haïti. WebTV, Radio Méga, Go Radio 1, l'IFE 5. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin, premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Jeudi 15 avril 2024, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes, quel que soit côté et wap côté, journal Radio Méga, Méga Matin qui passe son tête Radio Méga chaque jour. Déjà, nous avons de bonnes semaines d'informations sur Radio Pola qui arrivait possible grâce à Conco, toute équipe à Salle Nouvelle, la Marcel Joseph Célibem qui a viré Boutoyo, micro-présentation, c'est nous deux à moi-même, Jean William Sévéac, Daniel Daniel. Les amis, tout partout, bonjour, bonsoir, bienvenue sur tête Radio Méga. La principale information, on a bien pour développer dans le journal la matin, le gouvernement a publié un décret qui crée le conseil présidentiel là, vendredi passé à Saint-Ajout. Non, 9 conseillers yo, n'ont communiqué dans la même journée, ça a des personnalités désignées ou déposées pièces qui répondent à 4 de décret. Si là, différents particuliers présentés dans le conseil là, j'étais bien loin de décret ça qui publié. Ça, quoi, politique, qui était si déjà, parce qu'ils ont souhaité commission passe à son pouvoir, ils ont activé pour conseil présidentiel là, installé avant longtemps. Je ça a été prévu dans le 3 avril 2024 là. Nous dit différemment, communauté internationale, la terre est en salle, les publications décret parmi les États-Unis qui dit aurait été engagé pour travailler CARICOM pour supporter mission conseil présidentiel. CARICOM considérait décret ça comme un gros avancé pays a souhaité acteur politique au changer mission transition ça il s'est résolu de problèmes insécurité capitale et dans un pays a et puis mettait pays a sous schéma démocratique à travers élection. Bah dit examen tout les policiers Pierre Fritz Chenet 12 avril passé avec Timothée Vinoué un proche lui dans l'hôpital Bernamur. Gagne saisi un petit bateau pendant le week-end là, qui tapait poté 1500 sacs d'iri pour la Gonave, et qui kidnappé 6 passagers qui étaient dans le bateau aussi là. La police a posé la patte sous chef service superviseur douane au Cap Bernard Joseph, citoyen Satégué Madara, les bénévénidés pour trafic ZAMU été découvert dans douane ça 5 avril passé. Toujours dossier qui gagne ouais, avec le conseil présidentiel là, les États-Unis, ils ont donné des caissements 60 millions de dollars américains pour déployer force multinationale là. Non, la police a découvert cadavre 20 migrants haïtiens dans un bateau sur un fleuve d'un pays Brésil. Cadavre qui était commencé gâté sur le monde qui mourit soif de l'eau à quel grand goût selon AFP. Et puis République Dominicaine notifie 14 l'année Sibi Azak déjà Kabamen, agent immigration dominicain 5 avril 2024 là. Ministère des Affaires étrangères dans le pays d'Haïti dénonce les actes à exiger justice et réparation pour victimes. Si là. Le dossier Fonds national éducation toujours qui est bien actuel. Un bloc avocat engagé ou lancé une pétition pour ramasser SIATI, pour renforcer l'institution cap bataille contre corruption ou agir pour la justice arrêter complice dans le dossier d'agent qui gagote dans la FNU. C'est point ça, il y a diverses autres qui peuvent faire essentiel pour me paraître un journal là, mais pas oublier, on a pris pour traverser avec vous. L'exercice aujourd'hui, on connaît combien de gouttes besoin pour capable acheter $1 américain. On a pris pour voter pour week un capsule santé, redboché dans le tournée. Et
toujours prendre le soin pour capable dire aussi possible pour faire diverses zones. On nous vient avec information, ça a été annoncé dans titre journal là, gouvernement finalement a publié arrêté qui nommé conseil présidentiel là, amis auditeurs. Et ensuite avec engagement pour le ministre Tépran, gouvernement République a annoncé décret qui créait conseil présidentiel transition, il a adopté en conseil des ministres et il publié vendredi dans le journal officiel le moniteur personnalité qui désignait un parti pour être pour faire partie conseil ça invité pour soumettre le secrétariat général conseil ministre pièce qui requise conformément avec article 2 un décret nous saute n'amgain pour une barre pièce dans le journal là document doit déposer sous pli cacheté soit dans palais national soit dans primature qui trouvait sous route Boudon. Évidemment Jean vous dis là Jean Wilner sévère moun cap gagnant pour dans conseil présidentiel là et un responsable qui mandé ensemble documents pour capable bon pour capable dans conseil présidentiel là je nous promettre li nous pral essayer garder ensemble avec vous liste documents responsable yo même il y a pas besoin mais question ça li champil pa l'ampil dan pays a donc primature aptan nan chaque candidat yo 11 le pièce qui capable qui yo exigé pour démarche ça qui peut-être paraît compliqué pour divers nan membre conseil présidentiel là qui ça document ça yo yé c'est un certificat de bonne vie et mœurs il y a cap jeune direction centrale police judiciaire DCPJ donc qui depuis un certain temps lui-même a gagné un petit problème livraison ben toujours on a des CPJ un certificat police qui a testé que moun sa yo pas fait aucun yo pas aucune accusation contre lui-même yon extrait casier judiciaire pour confirmer est-ce que yo été condamné sous question ça yon liste dans liste n'a pas rappelé te gagné une liste sanction. Donc comité 2653 conseil sécurité le nuit pour capable vérifier ben parmi monde ça yo est-ce que yo même yo été sanctionné yo avis d'avis qui signé par un notaire ben qui attesté que candidat ça yo pas participé dans élection toujours un second avis d'avis toujours pour qui signé par un notaire ben qui certifié que monde ça yo pas opposé avec résolution 2699-2023, n'a pas rappelé c'est résolution qui était jointe pour permettre ben force multinationale là li capable vini en dans pays on cite propriété pour qui capable satisfaire exigence constitutionnelle toujours pour satisfaire article 135 constitution hein, on lettre travail par employeur une membre conseil là yon quatre professionnels ministre commerce yon patente y a besoin en direction générale des impôts qui a testé que mon sayo y a exercé une activité professionnelle donc des passeports il faut qu'on finisse c'est vrai passeport avec des naissances candidat ça avec parrain pour confirmer nationalité haïtienne d'origine mon sayo un certificat à domicile dans la commune mon sa il était c'est mairie commune ça ben cap bali ou bien on juge des peines on certificat des charges yo a joindre dans cour supérieur des comptes n'a rappelé mandat yo expiré même n'a pas trop longtemps là yo ben gagnant un prolongement ben qui fait sous question ça. Oui, c'est ça, c'est ensemble deux pièces, ça, aux amis auditeurs, qui, monde qui fait partie du conseil, là, supposé porter, et les amis auditeurs. Mais, ça que fait, n'a pas rappelé, n'a, nous dit ça, c'est très important pour nous capables de souligner ça, pour nous-mêmes qui a coûté, nous, n'a arrêté qui soutient ces structures, qui n'a arrêté, à pas dire, structure qui fait partie du conseil, là. C'est pas personnalité, yo. Non, yo, pas. C'est pas personnalité. D'ailleurs, il y a un membre conseil, là, qui réagit, n'a pas bien pour nous venir sur ça.
Mais avant, nous avons quelques informations sur divers pays qui saluent publication arrêté qui nommé conseil présidentiel là, notamment pays États-Unis. États-Unis a accueilli la création conseil présidentiel là pour transition en Haïti. Département d'État États-Unis, bureau porte-parole là, déclaration Matthew Miller, porte-parole là. États-Unis félicite création un conseil présidentiel pour transition en Haïti. C'est résultat plusieurs mois de discussion avec diverses parties haïtiennes qui concernent le conseil CAPD, pour être capable de gagner chemin pour élection libre et juste avec déploiement rapide. Yon mission support sécurité multinationale. Nous battons bravo pour Haïtien, yon pour engagement, yon prend pour avancer dans l'esprit réconciliation avec dialogue national. Nous été engagés, nous, dans le travail à CARICOM avec partenaires internationaux, yon pour supporter mission, TPCA pour travail, pour, et puis, pour améliorer la vie tout Haïtien. Situation sécurité en Haïti a été impossible à cause de violence gang yon provoquée qui prétendent représenter peuple haïtien même et cap prospérer basé sous violence avec la misère gang yo fait infrastructure important yo ak site économique yo qui sont approvisionnement pour carburant et humanitaire ak l'autre provision qui important pile pour la vie moun yo et puis yo continue retirer droit haïtien pour jeune manger éducation ak la soignage. États-Unis a augmenté support pour force sécurité haïtien yo pour renforcer capacité en dedans pendant yab gomen pour défendre pays yo. Nous féliciter l'idée haïtien yo parce que yo fait compromis difficile pour avancer dans une gouvernance démocratique à travers élections libres et équitables. Gagner un pile travail qui de fait puis devant et puis travail arrêté en pile États-Unis arrêté engagé pour supporter un peuple Haïti. Voilà, c'est gagner divers parties prenantes d'un pays à lui-même qui fait quoi décret qui soutient pas gagner un yahweh avec ça à quoi ont été joints les mêmes accords politiques là pas arriver publié dans le journal officiel pays à mais gagner divers pays à travers le monde là lui-même qui bat bravo la contentement pour ben décret ça qui sorti c'est cas pour pays Canada yo di thème de pays à lui-même qui fait quoi décret qui sorti à pas gagner un yahweh avec ça à quoi ont été joints les mêmes accords politiques là pas arriver publié dans le journal officiel pays à mais gagner divers pays à travers le monde là lui-même qui bat bravo la contentement pour ben décret ça qui sorti c'est cas pour pays Canada yo dit yo accueilli favorablement publication décret qui ben fait création conseil présidentiel transition en Haïti dans un texte yo publié sous compte XIO. Donc ministre canadienne affaires étrangères lui déclaré donc conseil unité nationale là c'est quand même au bon pas dans bonne direction pour capable rétablir sécurité l'ordre public démocratie dans pays à ses paroles Mélanie Joly lui encourager fortement membre CPA pour pas printemps pour nommer ben un premier ministre ou bien un premier ministre et un gouvernement par intérim qui capable dans intérêt et bien-être un peu païtien. Là, c'est parole ministre Affaires étrangères, pays Canada, Mélanie Joly. Toujours un pays qui a préagi à côté de pays, organisation Nations Unies qui ont même tout réagi sous publication CPA, amis auditeurs, nous permettent de gagner une idée qui ça qui dit dans le cadre de réaction organisation Nations Unies. Il y a un mois après annonce de démission pour le ministre Ariel Henry, conseil présidentiel a finalement créé décret qui a créé organe transition ça a publié pendant week-end dans le journal officiel République le Moniteur yon annonce côté en pile pays et international la réagi à travers bureau intégré Nations Unies en Haïti BINU Nations Unies continue à suivre des prêts processus politique haïtien qui mène à publication 12 avril un décret qui a créé conseil présidentiel transition d'après instance onusienne, ça, qui écrit sous compte XIO. Nous réaffirmer engagement, nous, pour accompagner institution pays, il y a effort, il y a fait pour restaurer institution démocratique, d'après le représentant secrétaire général, Nations Unies en Haïti, Salvador, Maria Isabelle, qui a affirmé soutien international à la police nationale d'Haïti, il était essentiel pour restaurer sécurité à état de droit. Après, au fin, un précis, Ariel Henry a annoncé démission, la communauté internationale, là,
États-Unis, dans le premier rang, selon information, ils ont encore insisté pour que ils ont publié décret qui portait création conseil présidentiel. Et c'est ça, gain l'autre tâche pour redresser bac de sécurité pays, nommer un gouverneur, puis réaliser prochaine élection. Après plusieurs semaines de négociations avec manœuvre politique, gouvernement finalement plié devant exigence internationale, côté l'annoncer création officielle conseil présidentiel transition. Il y a également CARICOM, lui-même qui a l'origine conseil présidentiel là, il a salué publication des créames qui c'est quand même pour CARICOM, il y a un avancement majeur chef gouvernement communauté caraïbio CARICOM, un communiqué publié vendredi 12 avril 2024 là, il dit qu'il a accueilli nouvelle publication des créames qui établit conseil présidentiel transition en Haïti, donc mise en place conseil 9 membres ça, li gagne en pile monde qui représentait là-dedans de politiquement inclusif, donc qui était capable d'un nouveau départ en Haïti, donc c'est sa organisation eux-mêmes yo précisé, donc CARICOM continue à soutenir Haïti nation sur ça pendant tout processus difficile ça qui consistait pour y jouer une formule gouvernance propre avec Haïti qui est capable de permettre pays à soutenir un passé difficile lié là journée jeudi à chef gouvernement CARICOM yo fait connaître donc la démarche ça li inscrit pleinement dans principe accord politique qui joigne avec responsable d'un pays à l'article 16 qui fait quoi donc conseil présidentiel ça li gagne pour mission pour remettre un pays à sous voie d'unité légitimité démocratique et stabilité souveraineté pour assurer un bon fonctionnement institution l'état yo donc CARICOM voulait prendre acteur yo homo pour rappeler yo selon accord ça une première priorité conseil présidentiel là qui a yo même a gagné pour installer c'est capable remédier avec urgence situation sécurité pays a gagné là dans l'idée pour permettre haïtien yo capable mener la vie yo quotidiennement normal donc gagné accès avec sécurité manger de l'eau service médical pour timoun yo capable retourner l'école et famille capable déplacer sans crainte ni peur selon décret mandat conseil présidentiel transition la prend fin 7 février 2026 conseil présidentiel transition ça yo pas gagné pour yo bénéficier prolongation mandat membre conseil présidentiel transition ça yo pas capable présenter la prochaine élection qu'a gagné dans pays ya et conseil présidentiel transition ça siège social yo c'est dans palais national Kenya. Donc, est-ce que il y a une possibilité, l'un considéré, je dis, qui ça qui gagne en bas? Oui, bon, comme, c'est sûr, c'est dans le palais national, c'est sûr, certains y a pris disposition pour ça. N'a pas suivre. Et j'en noté, qu'il y a pas information, ça, ensemble de documents, monde qui fait partie de conseil, là, n'a pas appelé les amis auditeurs, c'est conseil présidentiel, là, qui crée ces structures-là, qui crée personnalité ou pas publié. Et ben, suite avec ça, il y a un parti pour une nature, yo voyez, j'étais bien loin, décret gouvernement Ariel rien qui crée qui sautait arrêté qui crée conseil présidentiel la transition représentant parti pour notre processus politique qui débouchait sous signature 3 avril avec facilitation CARICOM accord puis en transition pacifique et puis ordonné vous j'étais bien loin publication décret qui crée conseil présidentiel là qui publié dans le journal Le Moniteur week-end passé en effet dans un communiqué il a publié hier dimanche l'organisation s'est déclarée yo choqué collègue après il y a prend connaissance décret qui publié 12 avril là par gouvernement qui gagne en tête le premier ministre Ariel Henry et puis dénoncer introduction modification c'est-à-dire texte yoté voué by conseil des ministres les différents par rapport avec ça qui publié dans arrêté les amis auditeurs si ça un membre ou bien structure qui fait partie du conseil présidentiel yo dit yo étonné yo une équipe modification qui dénature qui bail en l'autre sens projet consensuel d'un exécutif bicéphale qui porté par conseil présidentiel transition consensus passé à Mbila Bouze qui construit un parti pour une nature à partir 11 mars 2024. Il a dénoncé tout pour le ministre qui empêchait et puis gouvernement
gouvernement démissionnaire qui délibérément choisi pour pas respecter engagement yoté prend à travers représentant direct yo qui regroupé dans accord 21 décembre qui correspond à 1er avril 2024 qui était adressé par chef état puis gouvernement CARICOM yo à travers si accord 21 décembre pour désigner docteur Louis Gérard Gilles comme membre conseil présidentiel là parti prenant y compris représentant gouvernement désigné représentant yo dans conseil transition dans condition qui définit conjointement dans réunion 11 mars 2024 là représentant parti prenant processus politique là accusé premier ministre qui empêché à gouvernement démissionnaire qui choisi pour pas publier ni même mentionner accord politique qui était signé 3 avril dans décret 12 avril qui créé conseil présidentiel et puis pas décidé rendre public dans moniteur spécial nos 14 A relatif avec arrêté qui nommé membre conseil présidentiel. Il est important pour rappeler pour le ministre Ariel Henry lui accéder dans sous pouvoir dans circonstances exception qui lié avec assassinat ancien président Jovenel Moïse à faveur 3 accords politiques parmi eux 2 qui publié dans le journal Le Moniteur. Circonstances exception ça yo traduit en premier temps dans accord 11 septembre 2021 qui était publié dans le journal Le Moniteur 17 septembre 2021 pour consolider pouvoir docteur Ariel Henry qui fraîchement investi 22 juillet 2021 par prédécesseur li premier ministre Ariel Claude Joseph. Dans circonstances exception ça a été traduit dans second temps dans accord 21 décembre 2022 qui était publié dans le journal Le Moniteur 3 janvier 2023 pour étendre madame premier ministre Ariel Henry jusqu'à 7 février 2024 toujours d'après communiqué ça. Yo estimé après environ 33 mois exercice pouvoir, circonstances exception ça yo aggravé avec territoire perdu, flot déplacé, interne interruption, circuit, approvisionnement payant, dysfonctionnement administration publique là, tout ça justifie amplement publication dans moniteur accord 3 avril 2024 là, qui crée conseil présidentiel et puis mise en place un gouvernement sauvetage avec Union nationale cap dirigé par un nouveau premier ministre consensus, conformément avec engagement qui était pris en présence CARICOM par gouvernement de facto. C'est ça qu'on capable de communiquer ça. Parti pour notre sous-signé et exiger strict respect engagement gouvernement démissionnaire à Tepra pendant un processus politique qui était conduit par CARICOM. Demandez tout pour gagner disposition qui prend pour publier dans le moniteur là accord politique avec un document qui créait un conseil à fonctionnement conseil présidentiel. Mettez en relation commission passation pouvoir bipartite là, installer dans un meilleur délai conseil présidentiel transition en forme li teneur qui définit un accord politique pour une transition pacifique ordonné 3 avril 2024. C'est parti pour une nature qui signait lettre à Silla.